Alors, je vais déjà expliquer quoi sert le mode. Le mode est tiré du manga Jojo Bizarre Adventure, un truc comme ça. En gros, c'est des mecs super musclés, super baraques, qui arrivent à avoir des esprits qui battent pour eux, dans un sens, c'est ça, je crois. Et j'ai regardé 2 secondes un peu l'animé, c'était drôle. Ça a l'air sympa, peut-être que je regarderai à l'occasion. Et ce mode est tiré de ça, en fait. Donc, on va utiliser des stands, comme ils les appellent. C'est très gay aussi. C'est très... Oui, c'est très comme ça, oui. C'est drôle, mais voilà. Et apparemment, on va pouvoir utiliser la même chose. Ça va être drôle. Alors, c'est quoi le nom du personnage? C'est Jotaro, non, je crois. C'est ça? Donc, autant... du coup, les stats, je crois qu'on s'en tape un peu. Je pense pas qu'elles soient très très utiles, les stats. Je sais pas. C'est juste Jojo, son nom. Je pense qu'on va prendre l'assassin parce que... Endurance... Ou alors le guerrier. On va prendre le guerrier. Et voilà. Bon, on va l'appeler Jojo alors. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Non, pas Joho, Jojo. Ok, ça va être drôle. Apparemment, Amalia, fan. Ok, calme-toi le jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Hop, hop. Ok, cool. Reste cool, le jeu. Reste tranquille. Ok, maintenant... Non, fais voir un peu ça. Alors, faut avancer un peu. Yes! L'âme éclair de Pharaon, ok. Ça tue. Ok, on va s'amuser. Donc, à chaque zone, en fait, à chaque zone, on va avoir une magie. Bon, par contre, c'est où pour afficher le... ATH auto, oui, voilà. Voilà. À chaque zone, on va avoir une magie. Et en fait, c'est un ennemi qui est tiré de la zone. Et on va pouvoir l'utiliser en tant que stand. Et il va taper à notre place, en fait. Et nous, par contre, on est bloqué avec des points magiques, truc. Normalement, les points s'illuminent quand on tape. Mais je crois qu'il va falloir que je recharge la zone. Mais ça, on verra ça au feu de camp, on verra ça au feu de camp. Alors par contre, des fois, ça dépend des ennemis, enfin de la stand qu'on utilise. C'est un peu dur, mais c'est plutôt cool. Et je sais que différentes attaques, en fait, font en sorte que notre fantôme fasse des attaques différentes aussi. Genre là, on peut faire une attaque continue. C'est top. Et je crois qu'il y a même ça. Wouh. C'est énorme. C'est super, ce mode. Que les armes du mode. Bah, en fait, il n'y a pas d'armes dans le mode, vraiment. C'est juste les points. C'est juste utiliser les fantômes pour combattre. Et après, je sais qu'il y a avec les animations aussi. Les émotes. C'est énorme. Youh. Bon, par contre, faut qu'il apprenne à viser. Ça c'est autre chose. Feu! Trop loin! Putain, mec, c'est pas visé. Feu!
Yeah! C'est énorme. C'est super. Ce mec a fait un super mode, quoi. A fait un super, super mode. Je t'arrête, c'est son petit. Merci. Salut, Gul. Bienvenue. T'avais un problème de micro, Gul? Ça va être chaud pour les boss. Ça risque d'être chaud pour les boss, mais bon. On va se débrouiller. On va se débrouiller, on va se débrouiller. C'est énorme. Ah, ça y est, les points, ils ont disparu. C'est bon, on est bon. Donc maintenant, il s'illumine, en fait. Voilà, c'est parfait. Maintenant, le mode marche très bien. Comme il faut. Non, par contre, c'est un peu chiant. Après, ça dépend surtout de l'esprit qu'on utilise. Mais c'est plutôt cool. On va avoir des esprits abusés. J'ai vu des screens. Le mec, il a pris des monstres quand même un peu abusés pour combattre. C'est vraiment cool. Donc on va faire ça. On va continuer. Ouais, c'est un Stormtrooper en fait, le NPC avec la bombe, ouais. Après, j'ai l'impression qu'il vise pas où est-ce qu'on vise. Il vise tout simplement tout droit en fait. Il regarde droit devant et il tire sa bombe. Genre là. Feu! D'accord, c'est pas mal. On va revoir la distance. On va revoir un peu la distance. Mais c'est pas mal. Non. L'esprit, il est parti. C'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Ça y est, Dark Souls 3, meilleur jeu du monde. Oh putain. On est en train de massacrer les mecs, c'est énorme. De quoi en bas? Ah, il fait aussi une attaque spéciale. Oh putain, par contre. Deux secondes, hein. Alors après, je crois que les stats, en fait, c'est pas vraiment important, du coup, parce que c'est les dégâts des monstres. Et les dégâts des monstres, en fait, sont pas liés à tes stats à toi. Donc, On peut tout simplement augmenter la vie et l'endurance, je crois. Et ça passe. On verra ça après, de toute façon. Je suis un peu nouveau dans les Dark Souls. Est-ce qu'on me donnait un conseil pour battre cette foutue araignée à deux têtes? L'araignée à deux têtes? Ah! Putain, bah allez. Pourtant, elle est simple. Si on utilise un fantôme, ça va, on se met derrière en fait quand elle focus le fantôme et on tape la tête. Elle est plutôt simple, il n'y a pas trop de stratégie. Mon spectre va changer, ouais. Ça dépend des zones. Ok, par contre, c'est un peu dur de pas se faire toucher. C'est un peu dur de pas se faire toucher. Oui, c'est Freya, l'araignée à deux têtes, c'est l'énorme. Fantôme, derrière moi, remets-toi. Merci. Genre son corps, il est résistant, faut lui taper dans la tête. Oh merde. On va voir comment ça se passe avec le boss.
Ah, presque. Ah merde. Oh putain. Ok, on va se... Putain, on va crever. Oh la vache, ça va être chaud. Allez Gundyr, sois sympa. Sois sympa avec nous. Ah. Bah faut être très mobile hein, pour l'araignée, hein, pour Freya. Enfin je... Ça c'est mon plus gros conseil, hein, en tout cas. Ah. Par contre, ça fait super longtemps que je n'ai pas joué. Oh, énorme. Ah. Bombe. Youhou. D'accord. Ou pas. Chaud, feu. Feu. Oh merde. Oh la vache. Par contre, je peux pas le parer rien, je peux pas changer d'arme. Donc c'est un peu la merde. Allez, lame éclair de Pharon. Sois pas nul. Fais une bombe. Non, fais une bombe. Ou pas. C'est super dur de jouer comme ça en fait. On y est presque, on y est presque, on y est presque. C'est énorme. Yeah. Terrible. Kratos est plus lent dans God of War, c'est vrai. C'est vrai que Kratos est beaucoup plus lent. Bah ça se passe bien, c'est plutôt cool. Ah, il y a énormément de gens qui sont morts dans le boss, dans le premier boss. Alors, maintenant on a grande flèche d'âme. D'accord, ok. Alors c'est quoi grande flèche d'âme? On a un chien. On a le mec et on a un chien. Ça tue. Ça tue. Et on peut le faire aboyer et tout. Ah, c'est énorme. Ah, on peut faire attaque. Sauter. Là, il s'énerve. Ah, c'est cool. Ah, je sens que je vais m'amuser avec ce mode. Ok, il a un peu loupé. Oh la vache. On est bon. Le chien est sympa. Le chien est bien bien sympa. Y'a pas un chien quelque part? On a une... On avait une flèche dans le crâne.
Comment on saute? Ah oui, c'est vrai. Oui, on va faire ça. Donc à chaque nouvelle zone, on va récupérer un esprit. Mais on garde pas tous les esprits en fait. Ça c'est un truc du mode. C'est qu'on va pas emmagasiner tous les esprits qu'on récupère. Ils vont disparaître au fur et à mesure. Et ils vont changer, voilà, strictement grâce à la zone. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait aussi, dans le mode, il y a une option pour pouvoir récupérer ce qu'on a utilisé. Les esprits qu'on a utilisés, donc au final, si on veut, on peut tous les avoir. Hein. C'est possible. On va tester le samouraï vite fait. Pourquoi il s'appelle Grande Flèche d'âme ce chien? J'en sais strictement rien. Très bonne question. Très très bonne question. Par contre c'est pas mal, il avance un peu plus que le mec, donc c'est pas mal. Voilà. Je crois qu'on peut le faire tomber le samouraï, non? Eh, boulet, viens ici. Donc tu as une limite d'esprit sur toi. Non, ça, c'est seulement par rapport à la zone. Ça va, c'est la zone qui décide, c'est pas moi. Je m'en fous du katana en fait, hein. C'est juste pour récupérer les âmes. Je m'en tape du katana. Oui. Okay, on va changer les flasques, les fioles. Well. Ok, on est bien, on est bon. On est parti. Et on va voir ce qu'on va récupérer dans l'Autric. On va sûrement avoir peut-être un soldat, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. On va voir. Alors c'est possible que le jeu crache de temps en temps, mais on verra quoi. Ouais, je sais pas ce que ça va donner dans le boss de fin. Ouh, on a un soldat carcasse. Invisibilité. Alors après le mode il est strictement en anglais, mais il y a une partie en fait. Pour non anglais, je crois que les noms en fait sont pris aléatoirement si c'est pas en anglais. Donc c'est pour ça qu'on a des noms un peu bizarres. Genre invisibilité, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi il s'appelle comme ça quoi. Ah lui aussi il tire des bombes. Et on a le chien aussi. Ouh, on a le chien plus gros, non? On a le chien avec les... avec des flèches. Il fera peut-être un peu plus mal. J'appréhende quel boss avec ce système hein? Perdre en placement. Oui. C'est bon, ça marche. Tous les boss rapides en fait. Tous les boss extrêmement rapides, ça va être horrible, mais on va s'amuser quoi. Après, ça dépend tout de tout ce qu'on récupère en fait. Je sais pas vraiment quel boss, quel esprit on va avoir pour quel boss. Donc au final, peut-être que ça va être énorme. Enfin, ça va être facile. Ça peut être très facile ou très chiant, on sait pas. Ça va être la surprise.
Genre les chiens là c'est relou. Ouh. Okay. Faut que je les stunlock en fait les chiens. Ouais, il me faut beaucoup d'endurance en fait. Merde, pour rien. Yeah, bien joué. Ok. Fais une bombe. Est-ce que tu vises mieux que ton collègue, non? Non. C'est énorme. Ouais, il inclut normalement les DLC. Il prend tous les monstres qui sont disponibles dans le jeu et DLC. Oh putain. Là, les boules de feu, ça serait énorme, mais il sait pas les tirer, quoi. Ouais non, eux non, eux non, eux non. Eux c'est bon. Eux on verra plus tard. Ils sont horribles. Ils sont horribles. Mon super esprit ne fait pas assez de dégâts. Ah non. Chou. On voit le chien. C'est énorme ça. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Hop là. Ça peut être super utile comme ça peut être super chiant à jouer. Oh vache. Ok, on va continuer. Oh mon dieu, le chien. Oh. Go. Go. J'ai presque. Go. Yes. Yes. Ou pas.
Il est énorme ce mode. Et ça devient de plus en plus pété apparemment. Ah ok, non. On va trigger le dragon. Tu veux pas souffler? On a récupéré une astuce en plus. Est-ce que le son du jeu est pas trop fort? J'ai quelques messages d'erreur dus au mode, mais ça va. Oh merde. Ah, c'est con, hein. Un chevalier aussi bien entraîné, tué par un vulgaire chien. Tué par un vulgaire chien. Voilà. Ah, c'est plein de mecs avec des gros biceps. Hein. C'est ça en fait le show, hein, apparemment. Par contre, je vois pas trop comment on va faire le boss, hein, ça va être chaud. Est-ce qu'on peut mettre des objets? Perte d'emplacement de sort entraînant une suppression des sorts. Oui, mais il n'y a pas de problème. Ok, on est bon, toujours bon. Ah merde, j'ai... Ah, j'ai plus de chien. J'ai plus le chien, non. Ça va être horrible, State of Decay 2. Gull. T'as mal choisi, hein. Là, il y a le machin. Comment on va le tuer, lui? Mon esprit a du mal.
Mon esprit a un peu de mal. Allez. Tu peux y arriver. Ah, non. Non. Ah, je suis bloqué. Oh. Oh mon dieu. Oh, oh bien. Oh, bien joué. Ok. Non. Quel talent. Esprit. Merci. On a qui d'autre? Grande flèche d'âme. Ah, c'est le chien. Ah, très bien. Alors attends, reste cool. On va faire le même coup. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que je t'aime, Fido. Ah, énorme. Putain. Ah, bien, bien, bien ça. Ah. Ça en fait un boucan au-dessus. Oh la vache. C'est horrible cette bestiole. Bon, par contre, on a plus de d'astuces, ça va être la merde. Oh la vache. Je voudrais juste récupérer l'estus en bas, mais ça va être chaud. Enfin, le morceau d'estus. Il aboie, ok. Non, quand on attaque de loin, ils se mettent pas en garde. Ouais. Oh la vache. Ah bien. Ah bien. Ah oui. Ah oui. Il fait le tour. Oh merde. Caméra. Oh, le chien me bloque. Par contre, je peux pas passer à travers. C'est pas comme si c'était des fantômes de personnages. C'est vraiment des gens ici, en fait. Enfin, des entités ici qui prennent de la place. Oh la vache. Eh, le chien. Oh merde. Première mort. Première mort. Ouais, on va voir si je switch un peu.
J'ai pas d'esprit. Ah, le chien, ok. Il est où l'autre? Bon, pour l'instant, j'ai que le chien. Je t'avais oublié, toi. Oh la vache! On est tellement puissant. Bon, on est limité aux chiens maintenant. Pourquoi? Je suis pas sûr. Mais pas grave, j'aime bien le chien moi. Chine. Ah, ou pas. Ça c'est fait. Merde. Non. Oh, le chien, il m'aide pas des fois. Des fois, il fait son animation, puis après, il s'arrête. Il se dit, eh, arrête. Petite vacances. Ça, c'est bon. Putain, je suis bon en lancer de bombes. Oh, oh. Oh la vache, le saut. Massacre. Ça va, quand on connaît les enchaînements de l'esprit, ça va, c'est cool. Trop loin. Et puis vu qu'il n'y a pas de balance de poise dans Dark Souls 3. Ça rend plutôt le jeu facile du coup. Vu qu'il a mal été codé ce jeu. C'est parfait. Il n'y a pas de problème. Et Resident Evil 0, tu t'as toujours pas commencé? Gueule. Bon, par contre, toi, on va peut-être pas te combattre. Oh la vache. On va envoyer le chien. Ah, oh la vache, ok. Merde. T'aimes pas les chiens, gros? Non. T'aimes pas les chiens. C'est con pour toi. On récupère les braises. On va faire le raccourci, puis après, boss. Direct. Oh! Masse d'âme chercheuse. C'est quoi ça? Mais en fait, c'est les noms de magie. Hein. C'est pour ça. Oh!
On a un chevalier de Lothric. Oh, ça tue. Oh, ça tue. Il s'est buffé, le mec. C'est énorme. C'est énorme. Ah, on a vu l'épée de mon mec. Ah, on le voit de temps en temps. Ah, c'est super. Ah mais le boss c'est... Là faudrait qu'il parte en fait. Faudrait qu'il s'enfuit de la zone le boss je crois. Parce qu'il va avoir un peu mal. Ah, fais voir l'enchaînement avec les plusieurs coups. Il a pas vraiment d'enchaînement, lui, en fait. Ça. En fait, faut arriver, je pense, à la zone. Est-ce que ça les reset, là? Tu vois? Ouais, ça les reset. En fait, c'est... Une sorte d'embranchement dans la zone et ça libère un esprit. D'accord. On va aller monter de niveau parce que j'ai pas envie de perdre les âmes. Il y aura un spectre Yorm pour t'aider. C'est possible. Welcome home. Very well. Then hey. Farewell, Ashen, may the flame. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre sur nous? Des trucs qui aident. Des bombes, des trucs comme ça peut-être. Parce que bon là je prends quand même un peu en objet, juste au cas où. On va lui donner la charde. Renforcer. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Dark Souls, donc du coup je suis un peu perdu. Ok, on est bon. Qu'est-ce que je voudrais? Braise. Des bombes juste au cas où. Ouais, on est bon. Tiens, c'est parti. On va faire le boss. À la limite, là, on pourrait même faire la danseuse à ce niveau-là, je pense. Parce que, bah, du coup, on va pas... Ah, il me pousse. Il y a mon esprit qui me pousse, il est tellement puissant qu'il me pousse. Du coup on va pas... Enfin c'est pas vraiment lié à notre niveau, les dégâts. Ah mais t'es relou toi. Ah, bien joué, non. 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 Tu veux pas partir?
Esprit, esprit. Ok, viens pas m'aider, c'est cool. Je me débrouille. C'est quoi ça? Une fleur verte. Je veux mon... Oh yes, yes, yes. Oh. Ça c'est mon meilleur ami. C'est ça, j'ai trouvé mon meilleur ami. Oui, presque. Presque. Bien joué. Toi, t'es mort. La vitesse. Bon, la précision, c'est pas ça, mais... Oh, la merde. Ok. Qu'est-ce que t'as à louper? Ah, enfin. Ah. Ah bah voilà. Quand ça marche, ça marche. Faut juste que ça marche. On va combattre les chevaliers de Lothric, voir un peu. Oh les dégâts. Oh la vache. En gros, faut taper à mort, quoi. Faut vraiment être agressif. Faut être ultra agressif. Je crois que c'est le meilleur moyen. Ah. Maître épée, non. Ok, on est bon. J'ai que 3 astuces. Chevet, cartoon et la princesse. On va voir ce que ça va donner avec le boss. Vu que lui il saute beaucoup. Bah je sais pas comment. Enfin ce que ça va donner quoi. On va voir. On est prêt. Oh les dégâts. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ok. Ah, tu me fais chier de me bloquer. Ah, il est où mon esprit? Ah, je pouvais pas. Ah, je voulais faire stylé. Je peux pas.
C'était bien. Ça va, ça fait bien mal. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, la truc là. La bannière, j'ai pas la bannière. Oublié de la récupérer. On est reparti. Ok, cool. Non. Toujours pas, non. Ok, bah c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Ok. Bon, allez, merde. Oh putain. Je sais pas si on fait la danseuse, on teste. On pourrait à la limite, mais... On pourrait. Par contre, je voudrais bien utiliser mes âmes. Y'a pas un objet à récupérer là-bas? Je voudrais bien avoir l'autre chevalier là avec la cape bleue. Ça, ça pourrait être cool. Bon, non. Je vais utiliser mes âmes et on va tester la danseuse. À chaque fois j'ai envie de dire la chanteuse, mais c'est pas ça. C'est pas le même jeu. Une épée plantée, c'est bon ça. Là. Welcome home, then touch the pin. Touch, oui. Oh, d'accord. Je pensais qu'on va, on pouvait avoir au moins 3 niveaux, mais en fait, non. Avec notre héros de l'Autrique, notre chevalier, ça devrait bien se passer, j'espère. On va voir ça. Juste une seconde.